Bon, il y a des amoureux de Goldorak ici? Alors vous, vous comptez pas, je vous le dis direct, hein, déjà, il n'y a pas de souci. Mais ok, donc cette génération Goldorak, bah écoutez, on va en parler d'ici quelques instants. Avec moi, j'ai la chance d'avoir Xavier d'Horizon, donc scénariste de la BD Goldorak, qui vient de sortir aux éditions Cana. Xavier, comment ça va? Ça va très bien. Je crois qu'on t'entendait, hein. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Alors, bonjour, et puis ça va très bien, merci beaucoup. Ben non, merci à toi d'être avec nous en direct de ce TGS. Xavier, vous pourrez le retrouver aussi, je dirais tout à l'heure encore, mais vous pouvez le retrouver sur le stand Cana en dédicace sur les deux jours. Tu es là, encore là demain? Oui, je crois qu'on est là demain aussi, okay. Demain matin. Alors, avec nous, alors c'est dommage, on a des retours, Xavier, tu as eu sur les côtés, mais avec nous, il y a aussi eh bien, les autres personnes qui ont participé, le coloriste, les autres scénaristes, le dessinateur qui sont avec nous. Il y a Denis Bajram. Denis, est-ce que tu es avec nous? Alors... Oui, est-ce qu'on m'entend? Ah, on t'entend très ouais. Bien, Denis. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Denis Bajram. Et nos deux autres intervenants aussi, Alexis Santenac. Alexis? Salut tout le monde. Et Bruce Cossu, on peut aussi les applaudir. Messieurs, et comment et vous allez? C'est Bruce Cossu, il y a petit erratum. Il y a quoi? J'ai dit Bruce? Brice. C'est parce que... Brice. Allez, d'accord, tu t'appelleras Brice. Ok, c'est bien parce que c'est toi. Je d'accord. Me Bruce, hein, y a pas de problème. Ah bon, ça va alors. Et Brice Cossu. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous pour cette petite conférence sur la thématique de Goldorak et surtout aussi parler de cette BD qui est sortie il y a quelques temps parce que c'est quand même assez fou de se dire que Goldorak, donc l'œuvre de Gonagai, que vous connaissez tous, cette œuvre qui a débarqué en France dans les années 80, même je dirais même fin 78. Ouais, 78. Et donc cette œuvre japonaise, et là, une BD 2021, une BD, et même pas un format manga, comme on pourrait le voir au Japon, là, un format BD qui pop en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cette idée finalement alors? En fait, cette idée, elle est née lors d'un traquenard. Ah, it's a trap. Okay. It's a trap. It was a trap. A trap in Angoulême. Oh, you okay. know Angoulême, yeah. French city, où se déroule un festival de bande dessinée que vous connaissez tous. Et le traquenard, en fait, il m'a été tendu par deux de mes éditeurs, l'un qui s'appelle Ischlirf, qui dirige Dargo Benelux, et une autre qui s'appelle Christelle Hollands, qui, elle, dirige Cana. Bien connu évidemment dans les salons de manga. Et en fait, tous les ans, j'ai un déjeuner dans un très bon restaurant avec mes éditeurs et en gros, je leur raconte tout ce que j'ai en stock comme histoire pour voir s'il y en a une qui leur plaît, s'il y en a une sur laquelle on se retrouve, où ils ont un dessinateur. Et cette année-là, entre la poire et le fromage, mon éditeur Yves me dit mais tu ne parles pas de Goldorak de temps en temps? Et je lui dis, bah si, tu sais que je suis fan. Alors il me dit, bah oui, t'as des jouets. Je dis, bah oui. Et là, je commence à lui raconter une histoire auquel je pense, mais juste pour le plaisir. Vous savez que ce plaisir que vous avez à partager une bonne anecdote avec des amis, une bonne aventure, une blague presque. Et donc, je lui raconte une histoire auquel je pense pour Goldorak, qui serait l'ultime épisode de Goldorak, une dizaine d'années après la fin de la série. Et à la fin du repas, enfin à la fin du repas et surtout à la fin de quand même d'un quart d'heure de récit, Christelle Hollands de Cana me dit, écoute, si tu fais un projet artistique qui tient la route, dans un mois, je vais au Japon et en fait, je le connais très bien, Gonagai. Et c'était un traquenard parce que Christelle, elle avait créé Cana Classique 5 ans auparavant. Ouais. Avec cette idée assez folle de refaire vivre un certain nombre des personnages de notre enfance, de Saint Seiya en passant par Albator, Goldorak. Donc elle avait ça en tête depuis longtemps. Pendant 5 ans, elle avait traversé, sillonné le Japon pour créer des ponts à la fois de confiance juridique, mais aussi personnelle avec un certain nombre de grands auteurs japonais. Et ensuite, il fallait quelqu'un pour faire, enfin, en tout cas, commencer à lancer ce projet. Et donc, quand elle m'a juste dit, tu ne nous parlerais pas de Goldorak, moi, je croyais que ça venait de moi, que j'avais une idée tout seul. Ouais. Mais en fait, pas du tout, il m'attendait au tournant. Et bien entendu, j'ai saisi la balle au bon. Et à partir de là, il a fallu trouver une équipe artistique pour, en un mois, ce qui était quand même un délai extrêmement court, préparer un projet artistique qui tienne la route et qui soit à même
de convaincre Gonagai. Alors l'équipe artistique, on l'a ici justement. Alors ils peuvent pas être avec nous. Je vous dis, ils ne pouvaient pas être présents avec nous sur cette scène du TGS, mais on a réussi à les avoir en conversation Zoom. Donc il y a Denis Bajram. Denis, t'es avec nous là? Tu nous entends toujours? Oui. Bon, Denis, je vois derrière toi que tu es fan de Tintin. Aussi, voilà. Et je vois aussi que tu es fan de Goldorak. Bon, fan depuis le début. Toi, qu'est-ce qui t'a fait arriver sur le projet justement de Goldorak? Parce que j'ai l'impression que tu connais très bien la licence. Et du coup, tu étais la personne à avoir dans l'équipe. Mais Xavier le savait en fait. Hein, donc à Angoulême, il m'a légèrement sauté dessus à la sortie de son repas. Ouais. En me disant, tout bêtement, est-ce que tu veux faire Goldorak? Donc, quand on pose cette question-là à quelqu'un qui est fan de Goldorak depuis qu'il est haut comme trois pommes, ouais, la réponse est immédiatement oui. Je ne sais pas comment je vais faire, c'est le bazar, attends, faut que je cherche, mais oui. En plus, moi, chez moi, c'est très particulier parce que mon premier Goldorak, enfin, ma première bande dessinée que j'ai fait, j'avais 10 ans à l'époque, ouais, c'est une petite histoire de 20 pages de Goldorak. Donc j'ai presque appris à faire de la bande dessinée pour pouvoir raconter l'histoire de Goldorak quand j'étais un petit garçon. Quoi. Donc vous verrez, si vous avez l'album, à la fin, il y a une des planches de ce Goldorak de l'âge de 10 ans, qui heureusement est restée non publiée, parce que... On m'aurait peut-être pas autorisé à faire un album 40 ans après, si j'étais resté là-dessus. Et voilà, donc Xavier m'a proposé ça. Alors on se connaît très bien avec Xavier depuis très longtemps, on est des amis de 30 ans, on est même au stade où on doit se trahir théoriquement. Quand Xavier est venu me voir, moi c'était évident qu'il fallait que je dise oui, et puis c'était évident en même temps que j'étais pas totalement l'homme de la situation. Pourquoi ? Parce que Goldorak, c'est un truc énorme en fait. D'accord. C'est énorme au sens où on l'a tous vu quand on était gamin, toute la bande, et que la montagne me paraissait difficile à atteindre, en tout cas le sommet. Moi, je sais faire de la SF, je sais faire du grand spectacle, je sais faire des images qui claquent, je sais mettre en scène des histoires entre êtres humains, etc. Mais il y a un truc que je ne sais pas faire, enfin que je ne savais pas faire, parce que j'ai appris sur cet album, ouais, c'est à faire vivre des personnages de culture anime-manga. C'est très particulier la manière dont la culture japonaise représente et fait vivre les personnages. On n'a pas du tout cette culture-là dans la franco-belge ou même dans le comics. Il y a quelque chose de vraiment particulier au Japon que j'aime en tant que lecteur, que j'adore depuis que je suis gamin en tant que spectateur d'anime, etc. Mais que je sentais que je maîtrisais pas en tant qu'auteur. D'accord. Et ça me paraissait indispensable. J'ai tout de suite dit à Xavier qu'il fallait réussir à faire ça. Donc ça, c'est tout de suite, j'ai pensé à Brice Cossu, à qui on laissera la parole. Et ouais, puis en parallèle, il y avait un second problème, c'est que moi, je fais de la hard science en SF. Je fais de la SF très réaliste, très crédible, ouais, un peu trop crédible pour du Goldorak. J'avais peur de passer à côté du côté pop de la SF de Goldorak. C'est-à-dire qu'il y a quand même des extraterrestres avec des oreilles en pointe, des vaisseaux spatiaux qui sont des soucoupes volantes. Enfin, on est dans quelque chose qui a des côtés très fun, qui doit aussi aller dans l'horrifique à des moments, etc. Et c'est pas obligatoirement la culture de SF. Alors que c'était exactement la culture de SF aussi, parce qu'il faut aussi de la résonance d'Alexis Santenac. C'est pour ça que Alexis et Brice étant en atelier, j'ai immédiatement pensé à eux pour m'accompagner. J'en ai parlé à Xavier, ouais, tout de suite, et je lui ai dit, écoute, je crois qu'Alexis est au festival, donc j'ai essayé la tête d'attraper Alexis. Voilà. Ah oui, tout s'est fait à Angoulême, là, j'ai l'impression. Là, ça a été vite monté. Il y avait tous les intervenants à Angoulême, il n'y a aucun souci, quoi. Alors, sauf Brice, qui était puni parce qu'il avait été méchant. Non, en fait, il n'était pas là cette année-là, parce qu'on n'y va pas tous les ans. C'est un peu comme Cannes, hein. La montée des marches n'est pas réservée à tout le cinéma tous les ans. Et donc, Brice, il l'a appris par téléphone. Mais ça, ils vont vous raconter, puisqu'ils sont là. Bien sûr, bien sûr. Bah, on va passer justement donc à Brice et Alexis. Brice, Alexis, vous êtes avec moi ? On est là. Ah, bon, je vois aussi. Grand fan, voilà, de la première heure, lors de Goldorak. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression? D'ailleurs, le dessin, pareil, dans l'album, si vous le souhaitez, à la fin, vous verrez le plus vieux dessin à peu près fini que la grande histoire de la bande dessinée me connaîtra, ce sera un dessin de Goldorak quand j'avais 5 ans. Ah, ok, d'accord. Bah, écoute, oui, c'est beau, c'est 5 ans, donc ça fait rien, il n'y a pas de souci. Tu sais, on ne peut pas te juger, ne t'inquiète pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, justement, je voulais savoir, qu'est-ce que ça fait de passer
après Gonagai, qui est quand même une sommité, parce qu'ensuite, après, j'aimerais bien que vous m'expliquiez la rencontre, vous m'expliquiez ce qui s'est passé avec Gonagai, enfin, tout du moins, comment ça s'est passé avec les intervenants de Gonagai et autres. Ouais, tu notes que j'ai coupé sur un cliffhanger. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'attends de toi, Xavier, vraiment une reprise, genre « Previously on the Walking Dead », d'accord ? Un truc vraiment là qui claque. Attention. Hein. Donc, comment, qu'est-ce que ça fait de passer justement après Gonagai, qui est une sommité, qui est un mangaka ultra connu au Japon, qui nous a pondu des... Parce qu'on parle aujourd'hui de Goldorak, dont de Grandizer, mais qui nous a pondu d'autres œuvres majeures, comme Mazinger Z, comme Cutione, Chéri Miel chez nous, Devilman et autres. Qu'est-ce que ça fait de se dire qu'on va travailler sur un projet d'un tel mangaka ? On fait une légère abstraction au début, on essaie de ne pas y penser. En fait, non, alors... Ce qu'il y a, c'est quand on s'est tous vu proposer ce projet-là, clairement, immédiatement, tu l'as dit toi-même, la quasi-totalité de l'équipe était constituée déjà le samedi soir. Il y a juste Johan, le coloriste, qui nous a rejoint un petit peu plus tard, mais parce qu'on a bien voulu, enfin, on l'a attiré avec une grosse carotte et il a mordu à l'hameçon, donc c'était très bien. En fait, quasiment immédiatement, comme Christelle partait au Japon, on a préparé le dossier. On a absolument arrêté tous nos projets, tout ce sur quoi on travaillait. Et donc, on a bossé plusieurs semaines dessus, vraiment à faire des pages d'essai, des recherches de personnages, des illustrations, des notes d'intention. Xavier a écrit une lettre justement à Gonagai. Donc, en fait, de base, je te dirais que nous, on était déjà en fait super contents de se dire qu'on va envoyer un dossier de 10 pages au Japon et que Gonagai va lire et qu'il va avoir un retour dessus. C'est-à-dire que même nous, juste d'avoir fait ce dossier-là, on était super contents. Bon, il s'avère qu'il a dit oui, donc c'était d'autant mieux. Après, quand on a commencé à travailler, ce qu'on a surtout convoqué, c'est nos souvenirs. C'est vraiment, on s'est remis dans la peau du jeune téléspectateur qui regardait Goldorak à l'époque. Et moi, j'avoue qu'en tout cas, Alexis, Denis, je pense que dans un premier temps, on est vraiment resté sur cette idée-là et on s'est approprié, on a essayé de s'approprier au maximum le personnage. Ouais, et puis on a travaillé d'après les émotions qu'on a ressenties en tant qu'enfant devant l'animation. Donc on n'a pas pensé spécialement à l'œuvre complète de Gonagai avec Devilman et autres, parce que nous, on a vraiment travaillé sur Goldorak, c'est-à-dire... le Goldorak franco-japonais qu'on a connu enfant, devant lequel, moi, par exemple, j'ai connu mes premières sensations de science-fiction et ça m'a complètement construit en tant qu'auteur, parce que je pense que mon goût de la SF vient vraiment de là. Et on a pu juger après, là, depuis que le bouquin est sorti, que des gosses comme nous, qui ont eu des premiers émois à travers la science, à travers l'anime, à travers le manga, bah, très 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 nombreux, parce que quand on se retrouve en dédicace avec une femme de 30, 35 ans là, qui arrive et qui nous dit « je suis devenu microbiologiste grâce à Goldorak », ben, ça fait un drôle d'effet, on se rend compte de l'impact que ça a. Donc on était vraiment concentrés sur la série animée, et c'est un univers complet, particulier, on est resté concentré vraiment là-dessus. Ok, justement, alors on parle de la série animée. Est-ce qu'il existe un manga relié de Mazinger Z, de Grandizer ? Absolument. Oui, oui. La série Goldorak existe aussi en manga. Mais comme le rappelle Alexis, nous on n'a pas fait la suite de Grandizer, on n'a pas fait la suite du manga. Mm-hmm. On a fait le 75e et dernier épisode de la série française. Goldorak. Okay. J'insiste sur français en plus parce que je suis sûr qu'ici il doit y avoir des gens qui d'ailleurs connaissent encore mieux la série Goldorak que nous, mais vous savez que les dialogues en plus français n'étaient pas exactement les dialogues japonais. Ouais. Ouais, mais quand je te dis pas exactement les mêmes, c'est du genre en japonais on disait passe-moi le sel, et dans la version française ça donnait je t'aimerai pour toujours. Hein, c'est à peu près l'écart. Oui, bon. On n'est pas obligé de le rêver devant tout le monde maintenant, d'accord. Voilà, et voilà. Et donc nous, on a dû se fixer un certain nombre de règles, de principes, et on s'est dit d'accord, on va faire la suite d'un univers, d'un état d'esprit, d'une magie, on y reviendra sans doute, qui est celle de la série qu'on a tous vue en France, doublée en français, puisque vous étiez en plus avec des doubleurs juste avant ici. Voilà, et c'était ça notre cadre de travail. Mais du coup, alors on va revenir un petit peu sur ton cliffhanger, Xavier, tout à l'heure, parce que on a le début,
okay, du concept. On se dit, on va se faire une BD style franco-belge sur la suite de Goldorak. Donc du coup, comme tu viens de le dire, le 75e épisode, donc finaliser la série. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on en parle à Gonagai ? Parce que c'est son œuvre. C'est son œuvre, c'est lui. Il a travaillé sur la série, il a travaillé sur le manga. Comment il a appréhendé la chose? Previously. Donc, pour te répondre. Donc, je rappelle que dans l'épisode précédent, 5 auteurs ont décidé d'unir leurs forces, convoqués par un éditeur, pour aller convaincre un auteur lointain de bien vouloir leur permettre de créer un épisode. Les auteurs ont donc, comme l'a dit Brice, il a un peu spoilé, pardon, divulgaché la suite, mais en fait, on a donc travaillé, préparé un dossier, et là, donc, notre éditrice part. Et nous, on se dit, ok, le temps de réaction du Japon, c'est 7-8 mois, donc on va repartir sur autre chose, on va travailler, bref, on va attendre la réponse. Et en fait, 8 à 10 jours plus tard, notre éditrice revient, elle nous dit, voilà, j'ai reçu une réponse de Gonagai, il a lu. Il adore. Okay. Il veut votre synopsis, vos designs, l'esprit dans lequel vous voulez faire son dernier épisode. Ça lui va, il vous donne carte blanche. Ah. Là, je laisse planer un silence parce que c'est à peu près le silence que nous, on a ressenti, en fait. Ok. Ok. Et donc là, il faut faire des contrats. Parce que vous aviez l'auteur, mais l'auteur, il a avec lui des avocats, une société qui s'appelle Dynamic Planning, et eux, ils ont dit à l'auteur, dit, alors ça te plaît, les Français veulent faire l'épisode, très bien, tiens, bouge pas, donne-nous les contrats. Et là, bon, clairement, nous, on voulait pas négocier, c'est-à-dire, il nous aurait dit, écoutez, je veux bien vous prêter Goldorak, mais vous me vendez votre maison, vous me donnez vos enfants, on aurait dit oui. Et en plus, on aurait payé. Donc on voulait vraiment, pour vous dire à quel point on n'était pas du tout dans l'état d'esprit d'aller négocier quoi que ce soit. Et pourtant ça a pris un an. Pendant un an, parce que c'est très compliqué, les circuits de décision au Japon, c'est très collégial, enfin, bon, c'est long. Et donc pendant un an, il ne s'est pas passé grand chose. Et au bout d'un an, notre éditrice à nouveau a obtenu le sésame. Et là, eh bien, il a fallu commencer par le début, à savoir écrire. Et on a ensemble fait une sorte de liste de courses, c'est-à-dire on a listé tout ce qu'on voulait voir dans Goldorak. C'est pas tellement ce qu'on appellerait un fanservice, c'est pas ça. C'est plus d'abord être sûr qu'on voulait aller au même endroit, avoir le même ton, la même approche de la série, la même approche des personnages, le même rapport au réalisme dans les sentiments. Et puis ensuite se dire, bon, on est d'accord, on va forcément aller au centre, on va voir Procyon, on va voir, etc. etc. Donc on a, et puis on aimerait une scène où. Oui, donc c'est ça, en fait, faire sa liste de courses. Donc ça, on l'a fait ensemble. Après, avec Denis Bajram, on s'est retrouvés, et nous, on a commencé à voir comment mettre ça en ordre, et dans le fond, à peu près ce qu'on allait raconter, c'est-à-dire, vous racontez une histoire, vous racontez ce qui se passe, et puis aussi, vous allez raconter ce qu'on va ressentir, et surtout, c'est le plus important, ce qu'on va apprendre, ce que les personnages vont apprendre, sur eux-mêmes, plus que sur leur environnement. Et une fois qu'on a fait ça, là, on a pu commencer à... Enfin, là, j'ai pris en fait toutes ces informations, je suis allé m'enfermer dans mon atelier, et puis là, j'ai pu commencer à faire la première version du scénario. Alors, justement, on parle de psychologie, de travail sur les personnages. Je ne vais pas dire, loin de là, qu'ils n'étaient pas travaillés dans l'œuvre d'origine, mais c'est un peu plus mature quand même, la BD que l'on a entre les mains, la nouvelle BD. Il a fallu trouver... Enfin, il y a des caractéristiques de personnages qui sont plus détaillées, il y a une psychologie qui est un peu plus intense. C'était pas difficile quand même de mettre tout ça sur des personnages où on n'avait pas eu beaucoup d'exemples, enfin de les faire évoluer comme ça? Alors, d'abord, avant de répondre sur comment, il y a le pourquoi. Ouais. Le pourquoi, d'abord parce que, en tout cas, je pense pour Denis et pour moi, c'était naturel. Mmh. Et Alexis et Brice nous suivaient dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'on voulait faire 10 ans après, donc 10 ans après, les personnages, ils ont vieilli. Donc forcément, ils vont avoir des problématiques plus adultes. Je dirais que moi, dans ma façon d'aborder des sujets dits de propriété intellectuelle ou de licence, que j'avais déjà fait avant, c'est une sorte de réflexe. Systématiquement, je rends les récits plus adultes. C'est ce que j'ai fait sur 13, c'est ce que j'ai fait sur Torgal, c'est ce que j'ai fait sur d'autres sujets que j'ai abordés. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça, en fait.
Et puis, après, sur le comment, bah, on a, à nouveau, on est revenu à la série. Et si vous, vous la revoyez, vous allez vous rendre compte que toutes les pistes sont déjà là. Par exemple, vous allez découvrir que déjà dans la série, notamment dans les dernières saisons, on comprend bien que les forces de Vega ne sont pas tous des abrutis, dégénérés, violents. Au contraire, c'est que c'est des gens qui ont des raisons de se battre, qui ne sont pas manichéens. On se rend compte que les relations entre les personnages deviennent plus complexes, que le Actarus et le Alcor, qui étaient quand même très misogynes au début de Goldorak, sont en train de devenir, peut-être pas féministes, mais en tout cas, ils ont compris quand même que Vénusia, elle savait leur tenir tête et leur dire « Ok, vous êtes gentils, mais maintenant, moi aussi, je vais piloter. Je vous rappelle que de temps en temps, c'est moi qui vous sauve la mise. » Et donc, on a pris, en fait, tous ces fils qui existaient déjà, et puis on les a tirés. Et on a ajouté un ou deux fils qui nous étaient personnels et qui, à notre sens, faisaient tout l'intérêt d'avoir un album, ouvrez les guillemets, vu par... Ok. Très... Merci. De rien. Merci, Xavier. Vraiment, je pense que vous ne pouvez pas mieux répondre. Je précise avant de continuer que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main et à poser les questions. Ils sont là pour vous, ils répondront sans problème. Donc si vous avez une question sur Goldorak, sur l'adaptation de la BD ou autre, en BD plutôt, eh bien n'hésitez surtout pas à poser une question. Moi, c'est pour tout le reste, pour tout le reste du staff technique, donc c'est pour Denis, Alexis et Brice. Moi, j'ai une question pour vous. Gonaga, il y a un style qui fait très 70s, on va pas se mentir, d'accord, même que ce soit dans le dessin animé ou même le manga et autres. Comment s'est passée l'adaptation, on va dire, visuelle? Ça a été long de trouver le bon ton pour le bon trait, pour harmoniser nos travaux respectifs, parce que en fait, notre ambition là-dessus, parce que Brice et moi, on a déjà commis quelques albums ensemble, on est habitués à travailler avec une certaine méthode qui n'en est pas une, puisqu'en fait, on mélange absolument tout. On peut très bien, sur une case, un visage, dessiner chacun un œil, revenir après, changer ce qu'il faut. Et en fait, on a embarqué Denis là-dedans. Et pour trouver le ton en plus de l'histoire par rapport à Goldorak, par rapport au récit que Xavier et Denis avaient mis en place, il nous a fallu du temps. On s'est fait un petit peu peur à un moment parce qu'on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Et puis à un moment, il y a eu un petit déclic comme ça, mais en termes de pages, il y a les 20 premières pages qui ont vraiment été difficiles, mais avant de trouver le ton juste dans le trait lui-même, je dirais qu'on est bien arrivé à 60-70 pages, et après on est revenu du coup sur les premières pour travailler tout ça, mais ça a été un travail d'équilibriste très ardu. On a dépensé beaucoup d'énergie là-dedans, parce que voilà, il fallait trouver nos trois caractères là-dedans, que tout le monde soit content. Il fallait respecter l'œuvre. On voulait être à la fois dans le manga, dans le comics, dans le franco-belge pour trouver, selon les scènes, tirer les avantages de chaque médium BD qui a ses particularités. Et là-dessus, Denis a... Parce qu'on a fonctionné sans leader, ce qui est n'importe quoi, hein, faut le savoir. Parce que du coup, ça a été beaucoup plus long que si on avait déterminé des postes. Sauf que par contre, on y a mis du coup beaucoup plus de cœur, et le cœur de tout le monde est là-dedans. Et aujourd'hui, c'est avoir ce bouquin entre les mains, c'est vraiment quelque chose. Et là-dessus, Denis, avec son expérience... Parce que c'est quelqu'un qui a, d'abord, c'est entre nous trois dessinateurs, celui qui a le plus d'expérience, qui a aussi bossé en tant qu'éditeur, qui a déjà managé des équipes et tout ça. Moi, je l'ai fait un petit peu, mais dans la pub, donc c'est un petit peu différent quand même. Et du coup, Denis a vraiment joué le rôle de directeur du papa un petit peu de cette équipe, et en tant que directeur artistique, et à chaque fois à nous tirer vers le haut. Et je pense qu'on a tous beaucoup appris là-dessus. Hein, Denis? Oui. Je ne sais pas si j'ai fait le papa ou le directeur artistique. J'ai un peu servi de... Les deux
de colonne vertébrale, on va dire, à tout notre squelette et muscles très compliqués. J'étais le seul, en fait, qui a fait tout le trajet de l'histoire jusqu'à l'accompagnement de la couleur à la fin. Donc, et j'ai veillé surtout au fait que, tout le monde soit 100% content de son travail, et deux, qu'on perde rien en cours de route, parce que l'air de rien, 5 ans de travail, on peut oublier ce qu'on est en train de faire à des moments. Pour revenir au rapport avec Gonagai, mais avec les éléments originaux, faut réaliser qu'on a récupéré quelque chose qui date de 75. C'est diffusé en 78 en France, mais c'est 75 au Japon. C'est avant Star Wars. C'est avant quelque chose qui a complètement changé notre manière de faire de la SF et de la représenter. Quelque part, Goldorak, on est dans l'héritage de Star Trek, de la SF des années 50, on a des soucoupes volantes, on a des vaisseaux ronds. Goldorak, c'est un robot qui ressemble plus à une Cadillac qu'un méca des années 90, hein. Il est tout coloré, il est tout brillant. On avait vraiment besoin, nous, de réussir à faire franchir ce cap des années à Goldorak. Et je dirais aux personnages, et même à une partie de l'histoire, datée des années 70, il y a des côtés très écolo années 70, on retrouve du pacifisme des années 70 dans l'histoire d'origine, etc. Et nous, il fallait qu'on ramène tout ça en 2020. Enfin, en 2017 quand on a commencé, et en 2021 aujourd'hui. Et en fait, ça a été là que ça a été le plus difficile. Au-delà du fait de réussir à tous bosser ensemble, ça a été de complètement respecter nos souvenirs d'enfance, cet esprit très fort de Goldorak de 75, de ne pas changer les designs, de ne pas changer réellement la tête des personnages, ni même réellement leurs costumes, et de faire que tout ça est crédible en 2020, alors qu'entre-temps, on a vu Star Wars, on a vu Evangelion, on a vu tous les mechas japonais, on a vu les films Avengers, etc. Enfin, il y a quand même notre culture visuelle, elle a été profondément bouleversée, là, la culture visuelle de tout le monde. Hein. On n'est pas en train de parler d'une culture spécialisée, hein, on parle d'une culture générale. Donc notre exercice, il a été là-dedans. Je pense qu'au moment de l'histoire, il a été de ramener les notions dans quelque chose qu'on vit en 2020, et ça reste des notions qui sont éternelles, celles qui sont dans Goldorak. Donc heureusement, elles sont toujours valables dans nos années actuelles. Mais pareil au niveau du dessin, pareil au niveau du design des personnages, pareil au niveau de la couleur de Goldorak. Là, Johan n'est pas là pour en parler, mais il a fait un travail très brillant, qui est de réussir à utiliser des couleurs des années 70, qui sont quand même les couleurs, mais vraiment flashy, quoi. Goldorak, il est rouge, jaune, bleu, enfin, c'est très franc du collier. Et quand on regarde le dessin animé, il y a des personnages violets et verts, il y a un coptique de vaisseau, là, qui est dans la BD telle quelle, qui est rose. Je veux dire, c'est le vaisseau de Barbie, quoi. Il a réussi à faire à faire un vaisseau rose en 2020, qui est crédible, qui fait technologique. On se pose pas la question de ce coup de peinture rose alors que ça devrait être un scandale. Donc tout notre boulot là, on le voit à l'étape finale de la couleur, il a été pendant tout ce temps-là de réussir à tout rapatrier en 2020 et que ça paraisse naturel en 2020. Et comme ça, notre livre, il est à mi-chemin entre aujourd'hui et nos souvenirs d'enfance, et c'est un drôle d'exercice, quoi. Ouais, parce que ce qui est important en plus, c'est que notre challenge n'était vraiment pas dans le bosser ensemble, parce que on est en atelier virtuel déjà tous les trois, et avec Johan aussi tous les quatre depuis 8 ans ensemble. Donc on se côtoie tous les jours, on parle, on se vanne, on se critique, on se retouche les dessins. Donc le challenge n'était vraiment pas là-dessus, il était vraiment sur le projet lui-même, quoi. Puis bon, il fallait être à la hauteur. Donc, oh oui. Merci. 30 mètres de haut. C'est ça, c'est la vraie hauteur de Goldorak. C'est ce qui se dit. 35 mètres. 35 mètres. Nous, on a, c'est des choses qu'on a réfléchies au départ, ouais. Et on s'est dit il était très grand dans nos souvenirs et que 35 mètres c'était un petit peu limite. Donc en fait, selon les scènes, on est monté jusqu'à 50 mètres quand c'était nécessaire. C'est quand même pas mal d'écart, hein, 15 mètres, hein, ça se voit quand même. Hein. Alors, dans le dessin animé, il faut savoir que dans sa main, on voit une fois un bonhomme qui est haut comme ça, une autre fois une voiture qui est grande comme ça, une autre fois un bus scolaire qui est long comme ça. Oui. Donc, si on se fie au dessin animé, il fait entre 10 et 150 mètres. Voilà. Bon, les Japonais ont le droit d'avoir des petites voitures aussi. Hein. Des petits bus scolaires dans lesquels les gens sont bien compressés. Des petits bus scolaires, voilà, d'accord. Voilà. Justement, alors tout à l'heure, Xavier nous expliquait qu'il a donné l'idée, il a donné le concept et autres, et que Gonagai a fait banco. Les gars, vous faites ce que vous voulez. Comment il a réagi à vos croquis préparatoires, aux dessins et autres, lui qui avait son style, est-ce qu'il vous a touché de mots ou pas? Est-ce qu'il vous a aidé, fait, justement? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est passé avant d'aller au Japon, il y a forcément eu un travail de traduction. On a toujours eu un retour, je dirais, très solennel, c'est-à-dire, OK, voilà, je pense que... Par contre,
ce qui était évident à partir du moment où le projet a commencé, c'est qu'on fasse valider chaque étape. Donc, chaque mot du scénario, chaque étape, le storyboard, l'ancrage, le crayonné, la couleur, enfin voilà, vraiment toutes les étapes, on devait être validées. On a eu feu vert absolument tout le temps, toujours OK, allez-y. On a juste eu un moment où dans le storyboard, en fait, à un moment, quelqu'un regarde une photographie de 10 ans avant. Et c'est vrai que pour simuler ce qu'on allait dessiner dans la photographie, on avait pris une image du dessin animé. On nous a juste dit, ça, vous pouvez pas. Mais on a dit, non, vous inquiétez pas, ça va être dessiné, tout ça. C'est le seul moment où on a eu un problème. Et après, c'était vite réglé parce qu'on leur a dit, non, mais c'est bon, on va redessiner. Ah, OK, c'est cool. Bisous. Voilà, donc... ce qui prouve d'ailleurs qu'ils regardaient tous les détails. Oui, c'est vrai. Ce qui prouve qu'ils regardaient tous les détails, mais surtout, ça soulève quelque chose. Ça veut dire que vous n'aviez pas le droit, dès le début, vous saviez que vous n'aviez pas le droit de prendre le trait du design du dessin animé. Si, en fait, ça voulait dire que les designs pouvaient être récupérés, d'accord, mais pas une capture d'écran. Voilà. Ok. Mais les designs, et c'est même le contraire. C'est comme dans la bande dessinée, on a décidé de reprendre tous les designs. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Alexis, Brice et Denis n'ont pas redessiné le design de Goldorak. C'est l'exact. Ils n'ont pas redessiné le costume d'Actarus ou d'Alcor, ou l'architecture générale du centre spatial, ou le design de l'Ovéter. Tout ça, c'est les mêmes. Mais là, on a même c'est demandé à la des plans, fois les mêmes. Pardon ? On a même demandé des plans au Japon qu'ils nous ont fournis. Ouais, on a même eu, ouais, on a eu ça, c'est génial. La Toei nous a envoyé les designs. Pas la Toei. C'était pas la Toei. Non, c'est Dynamic Planning. Hein. Alors, c'est toujours. Bon, je m'y perds un peu, moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les designs ont été les mêmes. Et comme l'expliquait tout à l'heure Denis, le challenge, c'était de récupérer les mêmes designs, mais de faire que ça ait l'air moderne. Et là, qu'est-ce qui vous reste ? Ben, il vous reste l'ancrage, la couleur, le traitement des matières, la lumière. Et c'est ça qui, tout d'un coup, fait qu'effectivement, on a l'impression, de temps en temps, que le Goldorak, il est vraiment en tôle. Alors de la tôle de 20 cm d'épaisseur ou 1 mètre, mais de la tôle. Ce qu'on sentait pas forcément d'ailleurs dans le dessin animé. On a l'impression d'avoir un Jaeger en face de nous, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Alors que par contre, c'est pas le design d'un Jaeger. Donc c'est vraiment un travail de touche, de ressenti de matière, de ressenti de dessin. Et ça a été leur challenge à tous les trois. Ok, alors moi, petite question. Après, je vais passer aux questions du public. Je voulais juste savoir. En ce moment, c'est vrai qu'on essaye de réadapter des licences. Hein, on le voit avec d'autres licences comme Albator, on en parlait tout à l'heure. Là, maintenant, Goldorak, tout ça, c'est des licences qui nous ont fait rêver dans les années 70, 80 et autres. Et moi, je voulais savoir, vous savez, au Japon, Xavier, on en parlait en amont, au Japon, Grandizer, ben, c'est pas le succès. C'est pas le truc foufou, d'accord ? C'est-à-dire qu'avant, Gonaga, il fait Mazinger Z, qui, lui, explose tout. C'est un succès fou au Japon. Et quand arrive sa suite, ça, on peut dire que c'est quasi suite, on peut dire que c'est une suite quand même, Grandizer, ben elle, par contre, c'est le flop. Ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne en France, tu disais tout à l'heure, en Italie, dans des pays du Maghreb, et c'est tout. Ça veut dire que les Japonais arrivent à comprendre le succès de Grandizer, de Goldorak en Europe, et pas chez eux, ils arrivent. Non, en fait, alors déjà, en fait, je pense que c'est un succès parce qu'on n'a pas eu Mazinger et Mazinger Z. D'ailleurs, par exemple, en Espagne, où ils ont eu Mazinger Z. On a eu Mazinger. Mais bien après. Oui, d'accord. Bien après. Et justement, nous, on a considéré que c'était pas une suite de quoi que ce soit. C'était d'abord Goldorak. Alors, que, par exemple, en Espagne, je l'ai appris récemment, eux, ils ont eu Mazinger et Mazinger Z. Et donc, Goldorak, ça les a pas plus marqué que ça, mais ils se souviennent beaucoup de Mazinger. Et pour les, alors donc vous la connaissez sans doute. Hein, je suis au TGS, donc je me doute que les gens. Enfin, pour le principe, je vais le rappeler. Le truc, c'est que Alcor, qui est donc une sorte quand même au départ de sidekick ou de faire valoir dans Goldorak, c'est totalement le Robin de Batman. Hein, voilà, soyons clairs, est en fait le héros évidemment de Grandizer, de Mazinger. On va y arriver, de Mazinger. Et donc je pense que les pays où on n'avait pas cet antécédent, on a pris d'emblée Actarus comme étant le héros et ça posait de problème à personne. Et donc les Japonais comprennent pas trop. Il faut savoir qu'en plus dans les années donc fin 70 début 80, va y avoir un achat de droits, la série va être diffusée en France, et derrière va y avoir un piratage
mais monstrueux, c'est-à-dire tout le monde va servir en France. Et veux-tu un produit dérivé à gauche, un produit dérivé à droite, de l'utilisation abusive, et les Japonais ne s'en sont pas rendus compte. On est dans un monde, je le rappelle, où on paye en francs, où il n'y a pas Internet, pas Facebook, et donc on ne sait pas trop, à moins de faire 20 heures d'avion, on ne sait pas ce qui se passe en France. Et donc, Gonaga, il l'a plus ou moins, pas à nous, mais l'a confessé plusieurs fois dans la presse. Pour lui, découvrir tout d'un coup comment Goldorak avait été exploité en France et où il n'était même pas au courant, ça a été un choc. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous, on a eu une sorte d'obligation de recréer la confiance, ce que je crois on a réussi à faire jusqu'à maintenant, notamment grâce à Kana, qui est que tout ce qu'on a fait, chaque dessin, chaque image, chaque expo, chaque tract, tout a été vu avec lui. Et comme en plus il connaissait bien notre éditeur, et bien cette confiance est revenue. Et j'espère qu'elle permettra d'ailleurs dans le futur de renforcer les liens franco-japonais. Oh bah, à mon avis, c'est fait déjà. En tout cas, j'ai l'impression que Gonaga, lui, apprécie beaucoup. Oui, ça s'est bien détendu entre-temps. Ouais. Bon, bah, ça va. Alors justement, excusez-moi. Si je me permets d'intervenir en rebondissant sur ce que vient de dire Xavier, parce que donc il parle de Kana. Et je tiens à le souligner dès que possible, parce qu'on ne fait pas un travail d'auteur comme on a fait là sans un soutien d'éditeur tel qu'on l'a eu là sur tous les plans, c'est-à-dire qu'on a été d'abord sur le travail, on va dire, de logistique, parce qu'ils se sont occupés de tout ce qui est traduction, de liens avec Dynamic Planning, etc. Mais aussi parce qu'ils nous ont fait confiance à 200%. On a pu être impliqué à tout niveau, c'est-à-dire que absolument tout ce qui est fait sur cet album passe par nous cinq. En l'occurrence, on maquette aussi beaucoup de choses, on travaille en collaboration avec eux. Quand on dit à un éditeur, finalement, sur les, je crois que c'était genre 116 pages de départ, on va en rajouter peut-être 8 ou 10, personne bronche, me dit OK. On a pu faire de cet album ce qu'il est parce qu'on a eu une confiance et une liberté énorme, parce que du coup ça nous a permis de façonner un récit vraiment de fond en comble tel qu'on le voyait, et c'est vachement important pour faire du bon boulot. C'est un peu une chance quand même, parce qu'on dit souvent que les auteurs japonais sont un peu fermés quand même sur leur œuvre et que c'est difficile parfois de vouloir en faire des adaptations ou autres. Je veux dire, c'est une chance que Gonaga lui ait dit direct. Bah écoutez, faites ce que vous voulez de mon œuvre, quoi. Non mais ouais, complètement. Mais c'est justement parce que, comme on le disait à l'instant, ils ont sûrement compris qu'il y avait Grain Deezer d'un côté et Goldorak français de l'autre, quoi. Et je pense que ils ont l'intelligence d'accepter que Goldorak est un petit peu différent, et parce que un peu plus français pour telle ou telle raison. Alors après, on peut dire que c'est parce qu'il y a eu la traduction de la série animée, de plein de choses, mais à la limite, le pourquoi n'est pas très important, une belle ouverture d'esprit. On a été étonnés quand même, parce que, comme on disait, dès le départ, quand on nous dit une réponse positive, il faudra plusieurs mois, et puis dans 10 jours, c'est arrivé. Et comme on a dit, à chaque étape de validation, malgré tout, on avait quand même la petite goutte de sueur, parce qu'on se dit, comme tu dis, hein, les auteurs japonais sont très, très, très carrés, je pense, et tout s'est passé très facilement. Moi, je trouvais ça tellement incroyable que tant qu'on n'a pas eu les contrats en main pour les signer, en fait, j'en ai même pas parlé à mes parents. Parce que je me disais, ça peut s'écrouler. Ça peut capoter à tout moment. Ouais, d'accord. Ouais, c'est. Et j'avais vraiment du mal à y croire, et à chaque étape, c'était ça. Et là, je. C'est un peu fou, mais nous remercions Gonaga de tout notre cœur qu'on a mis dans l'album, effectivement. Ouais, c'est. La dernière page de l'album, j'essaie de pas spoiler la fin. C'est. On a tout vu. Mais on a vraiment tenu à le remercier, mais c'est pas un remerciement de politesse ou c'est pas quelque chose de formel. Ça nous a paru évident qu'il fallait qu'on consacre même une page à ces remerciements complètes parce qu'on en revient toujours pas. Hein. Moi, j'ai un peu l'impression que le voisin d'à côté, il avait une Ferrari, il m'a dit mais tu veux l'essayer? Tiens, prends les clés. Allez, va faire des donuts, quoi. Ouais, c'est complètement incroyable, quoi. C'est marrant quand on a marre, quoi.
Et tu nous la rends quand on a marre, voilà, c'est ça exactement. Non, mais vous avez et il nous chance. A prêté les jouets, les clés de son Goldorak, là on a démarré et, et pendant 5 ans on l'a utilisé, enfin, c'est complètement incroyable. Quoi. Vous avez une chance qui est complètement folle, c'est clair. Je veux dire, Gonagai c'est comme Akira Toriyama, c'est comme si demain vous alliez voir Akira Toriyama et vous disiez bah, écoute Dr. Slump c'était super cool mais on a envie de faire une suite, est-ce que ça te dérange? Oui vas-y, fais-toi plaisir. C'est exactement ça. Et du coup, non, je comprends votre engouement et votre plaisir à faire cet album. Et encore une fois, bah merci déjà, merci beaucoup, je pense, puisque vous avez remis au goût du jour un petit peu Goldorak, entre guillemets. Vous l'avez comblé une attente, je pense. C'est-à-dire qu'il y avait, une énorme attente de tout le monde, nous les premiers, mais j'imagine une bonne partie d'entre vous aussi. On se disait, attendez, Goldorak, on ne l'a pas vu depuis quasiment 40 ans. On veut le retrouver, on veut le revoir et il nous manque. Ouais. Il nous a pas donné de nouvelles quand même. Hein, faut être méchant. Pas une carte postale. C'est pas un robot carte très sympa. Ah non, mais là rien. C'est-à-dire, oui, pas une carte postale, rien. Oh, ouais. Et donc, on peut quand même se le dire. Quand il est parti, ça nous a fait un peu mal. C'est-à-dire, là, il part. Vous vous souvenez, il part sur Euphor, il emmène Phénicia en plus. Bon, pour qui on pensait pour Phénicien, c'était difficile. Il laisse Misa, Rigel, tous, pleurent tous. Enfin, je ne sais pas si vous avez revu la fin de la série, mais c'est quand même c'est émouvant. Et on est quand même nombreux à se dire, non mais on ne va pas en rester là quand même. C'est pas possible. Elle est super. La scène est émotionnellement géniale. Elle prend en trip. Moi, c'est simple, dès que je la revois, je pleure. C'est une bonne fin. Bien sûr que c'était une bonne fin. Et en même temps, il y a ce côté, il nous manque trop. Et puis, une petite frustration, se dire quand même, Actarus a passé X années sur Terre, il l'a défendu. Est-ce qu'en fait, ta vraie planète, est-ce que l'endroit où on habite, c'est pas l'endroit où on a des amis et des gens qu'on aime? Et en réalité, il retournait vers Euphor où il n'y avait plus grand monde et il laissait derrière lui une planète Terre où il y avait l'amour de sa vie. Son amour à lui, mais pour Phénicia, ce sont des gens qui l'aimaient, des gens qui y tenaient. Bref, ce n'était pas possible, on n'avait pas laissé faire ça. Et voilà, on a essayé de combler cette envie ou ce manque au choix. Écoutez, on peut les applaudir quand même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va finaliser. Excusez-moi. On va finaliser, il nous reste 5 minutes. Finaliser avec les questions un petit peu du public. Est-ce que vous auriez des questions? Ah, je sais pas, ça m'étonne pas. Tiens. Allez, je vais venir vers toi. Viens à moi, peut-être. Allez, petite question, alors. Bonjour, merci pour l'œuvre. Petite question, pour ne pas spoiler l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'ascenseur émotionnel qu'il y a tout au long de l'album, est-ce qu'il était prévu ou est-ce qu'il est venu petit à petit? Alors, quand on fait un script, heureusement, on prévoit un minimum le dosage de ses émotions. Il y a tout un rythme à créer, notamment parce qu'on présente petit à petit les personnages, puis arrivera, je ne vous dis pas quand, comment, Goldorak, etc. Ça, c'est prévu. Ce qui n'est pas prévu, c'est, et je crois que ce n'est jamais le cas en fait en bande dessinée, c'est l'alchimie qui va se faire entre le scénario et le dessin. Et par exemple, moi, j'avais pas prévu d'être aussi ému que je l'ai été en voyant certaines pages. Non pas que je trouvais le scénario très bien, évidemment que c'est pas le cas, mais c'est juste que quand j'ai vu comment eux ont traité les pages, comment ils ont traité les émotions des personnages, ils ont réussi quand même, alors je savais ce qui allait se passer, ils ont réussi à me prendre au trip et à me faire pleurer. Et de ce point de vue là, l'ascenseur émotionnel n'était pas prévu du tout. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au début, que je me sentais pas capable de le dessiner tout seul, l'émotion justement, c'est ça. C'était le cœur de la recherche qu'on avait eu sur ce livre-là, parce qu'en fait, on devait être à la hauteur des émotions qu'on avait eues quand on était enfant. D'accord. Et c'est les émotions les plus incroyables qu'on puisse avoir. Donc voilà, toute l'équipe, on a travaillé que là-dessus, et c'est vrai que je pense que Xavier s'attendait pas à ce qu'on arrive à la toucher tout le temps aussi fort. Voilà, c'était vraiment le but qu'on s'est donné, quoi. Après, il s'est passé un truc pendant l'élaboration de l'album aussi, c'est que je pense que. Ben nous, là, les cinq auteurs, on a vécu une vraie aventure humaine à travers cet album aussi, entre nous, très très forte. Et l'investissement n'a fait que grandir tout au long du travail de l'album. Quoi. On ne s'est pas dit à un moment, alors là, j'ai mon planning, j'ai tel bouquin à faire, tel bouquin. Celui-là, je le mets de telle date à telle date, c'est parti, je mets mes pages, une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Ça n'a pas du tout été comme ça.
Et par bonheur, ça a l'air de transparaître à travers les pages. Donc ça c'est génial, parce que là, c'est pareil, la résonance que les émotions qu'on a mis dans un album vis-à-vis du lecteur, elle est jamais prévue, sinon on fait des succès tous les 15 jours. Et là, ça fait vraiment plaisir. En plus, ça dépasse le cadre pur de la bande dessinée. Puisqu'on parle de Goldorak, de l'anime. C'est un truc super fort. Même en dédicace, on le ressent, les gens. Enfin, les dédicaces qu'on fait sur Goldorak, en tout cas pour ma part, elles ne se passent pas du tout comme ça se passe sur les autres bouquins depuis que ça fait quand même 15 ans que je fais de la bande dessinée. Et là, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retouchera jamais, je pense. Moi, j'ai pleuré en sens de dédicace, hein, mais ça m'était jamais arrivé. Hein. On a eu deux, trois trucs où on s'est un peu caché. Moi, je me suis caché sous ma casquette. En fait, le truc, c'est qu'on a fait cet album en étant les spectateurs de 8 ans. Alors, on était tous des auteurs entre 40 et 50, mais on était tous des spectateurs de 8 ans quand on l'a fait. Et du coup, on a touché d'autres spectateurs de 8 ans qui ont plein d'âges différents. Et en fait, c'est l'espèce retrouvée dans une espèce de communion, d'avoir le plaisir de revoir ce truc-là. Quoi, tout ouais. Je pense que c'est logique, parce que justement, vous avez touché les gens qui ont connu la série, ouais. Qui ont connu les débuts de la série, et vous touchez les personnes, des enfants, des adolescents qui ne connaissent pas nécessairement bien la série, mais qui voient du mecha, qui voient une adaptation d'une œuvre japonaise et qui pourraient s'intéresser là-dessus. Donc du coup, c'est bien, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Vous remettez au goût du jour Goldorak, finalement. On remet Goldorak en avant. Les gosses qui s'y mettent, c'est le top. Hein. Ah oui, bah, bien entendu. Le record que j'ai eu dans cette histoire-là, c'est que ma maman, qui m'interdisait de regarder Goldorak, a lu l'album et a adoré. Mais tu dis pas qu'elle t'interdit toujours de regarder Goldorak, quand même. Ah ben, elle aurait du mal, maintenant. Non, mais c'est vrai, c'est assez amusant de voir qu'en dédicace, on a plusieurs générations. En général, alors 9 fois sur 10, quelqu'un vient et dit c'est pour Fabrice. Et qui Fabrice? C'est mon père, il a 50 ans. Bon, ça, voilà. Mais après, vous avez... moi, je l'ai lu aussi, donc 30-40 ans, ou 30 ans plutôt. Et j'ai fait découvrir Goldorak à mon fils qui a 10 ans et il adore. Et donc, ce qui est assez génial, c'est que tout d'un coup, on se rend compte que cet album devient un vecteur de passation d'une œuvre et d'une passion qui évidemment a préexisté dans les années 70. Et au-delà de ce transfert générationnel, on a découvert, nous, que c'était une vraie communion autour, qu'il y avait une vraie communion autour de Goldorak, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération, et plus large, comme je viens de l'expliquer, qui a un plaisir à partager une aventure, une histoire qui les a touchés un peu plus que les autres, ou en tout cas différemment des autres, parce que ça touchait à la fois des rapports affectifs, romanesques, chevaleresques, etc. Bon, on ne va pas détailler ça ici, mais en tout cas, c'est une énergie qui se passe Goldorak. Ce n'est pas simplement un album, ce n'est pas simplement une série de dessins animés, c'est un peu plus que ça, et nous, on est témoins, on est un peu aux premières loges pour voir ça, et le spectacle est assez incroyable. Très bien. Merci, Xavier. Merci à toi. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Denis, qui est avec nous. Denis Brajam, il y avait Xavier, donc Xavier d'Horizon, avec nous. Il y avait Alexis Santenac, Brice Cossu aussi. On les applaudit fortement. Alors, dernière petite question, Xavier, avant de partir. Cet album finalise Goldorak, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce qu'il y aurait possibilité de revoir du Goldorak? Ben, pour l'instant, ça passe sur France Télévisions. Sur France Télévisions, France 4. Merci, bonne réponse, merci beaucoup. Non, nous, pour l'instant, on a vraiment, sincèrement, enfin, vous l'avez compris à travers tout ce qu'on vous a dit, on a vraiment mis toutes nos tripes dans ce bouquin. On a gravi l'Everest, on est heureux mais épuisé, et on n'a pas d'autre plan. Désolé, il n'y a pas de plan. Mais non, mais c'est très bien. C'était voilà. Pour savoir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous via Zoom. Avec cette petite danse, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Encore une fois, merci beaucoup à vous, public. Et je vous dis à de suite. Alors n'oubliez pas, Xavier d'Horizon est en dédicace sur le stand de Cana. Donc n'hésitez pas à aller vous procurer la BD, la nouvelle BD de Goldorak, et à vous la faire dédicacer par Xavier d'Horizon, qui sera sur le stand Cana. Voilà. Merci à vous tous. De suite après, on va enchaîner avec la conférence des influenceurs. Merci à vous tous. Merci Xavier. Encore une fois, merci Denis. Merci Alexis. Merci Brice. À très vite.